Bonjour, je suis un des membres de l'association Citer qui s'occupe des maisons de terre d'Ouzilly-Vignolles, un petit village qui dépend de la commune de Maucontour dans la Vienne. Alors nous avons dans ce petit village, situé tout proche des marais, des maisons de terre qui existaient déjà au XIIe siècle, bien que l'habitat que l'on va découvrir date plutôt de la fin du XVIIe. Alors si vous voyez la façade, on a effectivement de la terre qui est posée sur de la pierre ou pas, parce que c'est des maisons qui se faisaient sans fondation. Et cette terre, vous verrez dans un petit moment, elle est assez particulière parce qu'elle est stérile de végétation. Vous voyez, il n'y a pas de végétation qui pousse dessus. Donc en fin de compte, il s'agit de la terre qui se trouve en dessous de la terre fertile où on plante, où on se sert pour l'agriculture. Elle se trouve à environ 50-70 cm de profondeur. On va voir de quoi il s'agit. Alors on voit qu'elle a été élevée en plusieurs niveaux, on les devine ici, avec la collaboration de plusieurs personnes, c'est-à-dire des gens plutôt pauvres qui se réfugiaient dans les marais pour construire avec les moyens du bord. La région de Maucontour a été affectée par quand même, avec du Guesclin et la guerre contre les Anglais, il fallait que les gens se réfugient. Et plus tard, avec la guerre entre protestants et catholiques, il fallait aussi qu'ils se réfugient. Souvent, ils trouvaient un habitat dans le marais. Alors, il s'agit de cette terre, une terre stérile de végétation, qui permet une construction sans végétation qui pousse au-dessus. Mais la terre intéresse aussi tous les êtres vivants. Hein. On peut avoir des petits trous de rongeurs à la base. Et des fois, on met ce qu'on appelait une chaussette en pierre qui permet justement d'éviter cela. Et si vous la touchez, on peut la toucher, ça reste assez agréable, pas forcément poussiéreux. Alors cette petite pièce, édifiée bien après, bonjour, édifiée bien après, parce qu'on trouve au sol de la terre cuite qui a remplacé la terre battue, bien que la terre battue ait ses qualités. Hein. Alors on a un morceau de bauge, c'est la bauge, cette partie de terre pour la construction, qui est quasiment comparable à un béton, hein, où se mélangent fibres végétales du marais, les rouches, herbes des marais. Il y a aussi des fois de la paille, du foin, des écorces et la terre à bâtir d'Ouzilly-Vignolles qui est un granulat divers avec de l'argile, des granulats divers, des fibres diverses. La terre en général est composée de grains et d'argile. Et vous voyez par exemple dans la terre d'Ouzilly-Vignolles, il y a pour un granulat total de 91%, il y a 9% d'argile. Et le grain d'argile est très fin. Il faut savoir aussi, c'est comme un colloïde d'une colle quand il est mouillé. Hein. Et c'est ce qui retient peut-être plus l'eau. C'est important parce que ça permet une certaine malléabilité. Mais on va retenir que la terre à bâtir est surtout comme un béton de terre. Alors, dans cette habitation qui date des années 1800 à peu près, on peut voir effectivement que les murs ont été enduits de chaux pour amener une certaine luminosité, peut-être parce qu'ils ne faisaient pas les ouvertures assez grandes à l'époque, hein. Aussi peut-être pour imiter certaines maisons à façade blanche de l'intérieur. Mais ceci dit, la terre en elle-même, nous on verra, a certaines qualités qui fait que c'est un revêtement qui respire, c'est un revêtement vivant qui permet une température constante. Vous voyez, il fait très chaud aujourd'hui. Et pourtant, à l'intérieur, on a une température assez constante de 19 degrés. Hein. D'ailleurs, vous le ressentez quand vous rentrez par ici. Vous voyez, touchez la fraîcheur du mur. Quand on le ressent aussi, la fraîcheur extérieure. Alors, cette pièce,
il y a une certaine luminosité, hein, où on se figure un chaudron retrouvé dans le marais. Alors c'est pour ça que peut-être Cythère, c'est peut-être maison terre du marais, parce que dans le marais on a retrouvé un chaudron avec des activités, on a retrouvé des plantes, on a retrouvé des cultures, on a retrouvé la culture du chanvre sur des années, plusieurs choses se sont passées, on a trouvé la tourbe qu'on exploitait. Voir la culture des sangsues aussi, à usage médical. La culture du chanvre. Après la Révolution, par exemple, on dotait le gens de très fines parcelles de terre, hein, très 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 petites, hein, pour qu'ils aient le moyen de cultiver le chanvre. Donc on peut dire en fait que la maison de terre est aussi un produit du marais. Beaucoup de choses survivent dans le marais, reviennent à la vie. On dit souvent qu'on se réfugie en temps de guerre dans le marais, on se réfugie en temps de, pour se cacher de certaines choses, on va dans les marais. Il y a aussi des maladies qui, soi-disant disparues, qui réémergent dans les marais. Il y a des choses qui reparaissent dans le marais parce que c'est un lieu où il y a des alternances d'inondations et d'assèchements et où peut-être les choses reviennent à la vie. Hein. Y compris les habitants qu'on construit avec une terre particulière, hein, la bauge, des maisons en terre. Alors évidemment, la maison en terre n'est pas le fait d'ousiers vignoles, nous c'est la bauge. Il y a plusieurs techniques de construction, hein, on peut, à travers le monde, c'est très ancien. On peut parler du pisé. On peut parler de l'adobe. La bauge, le torchis par exemple. Le torchis était très peu favorable à soutenir, c'était plutôt pour des cloisons. Donc chaque technique de construction peut avoir un avantage particulier. Alors on est ici dans une ancienne étable, mais bien évidemment beaucoup d'étables maintenant sont reconverties en construction, donc cette maison pourrait faire une jolie construction. Hein. Alors, mais la terre n'est pas simplement un matériau pour... c'est aussi un matériau pour l'avenir, parce que nous sommes quand même confrontés à l'écologie en ce moment. Comment loger de nombreux habitants? Avec quels matériaux? Comment s'adapter? Et nous avons plein de traités là-dessus, hein, notamment issus de centre cratère qui s'occupe de construction en terre. Et si vous observez cette façade, vous voyez qu'il y a une partie en terre, une partie en pierre, et d'ailleurs la partie en pierre est au-dessus de la partie en terre. Avec le temps, les événements, on va dire, la partie en terre, un pierre à un moment donné s'était écroulée, c'est la partie en terre qui a permis la réparation, parce qu'elle est peut-être plus malléable, plus plastique, et nos maisons très anciennes, à Ozier et Vignoles, ont résisté parce qu'elles étaient peut-être en terre, dans un matériau assez souple, et qui résiste aux alternances d'inondations et d'assèchements. Donc il faut penser la terre comme un matériau d'avenir. Hein. Évidemment la terre cuite est utilisée en médecine, est utilisée aussi pour aller dans l'espace, tout ça c'est utilisé. Hein. Donc ça, parce que la terre cuite permet de résister à de très hautes températures, et pas le métal. Mais la maison de terre, c'est aussi une leçon d'écologie, hein, pour l'avenir. Donc il faut préserver cette terre, d'abord celle qui est en surface, l'humus, hein, en essayant d'avoir une agriculture écologique. Écologie, c'est pas forcément biologique, ça veut dire écologie, ça veut dire des cultures qui s'associent entre elles, en harmonie, pas forcément les grandes étendues. Hein. La nature aime bien
la variété, l'écologie, avec une réflexion intelligente sur l'association de cultures, l'association de... Et si on préserve cette terre, on utilisera moins de pesticides, moins de produits qui peuvent peut-être contaminer cette terre précieuse en dessous du sol, là, qui nous permet de construire un habitat sain. Voilà.